Et bien salut, c'est Agi, on se retrouve pour l'épisode 15 de The Legend of Zelda Twilight Princess HD. On est dans la tour du jugement, on est passé dans l'épisode précédent par le désert Gerudo. Et puis on va y aller directement puisque le donjon va être assez long. Voilà, donc ça fera un bon épisode. C'est par ici, il va faire attention par contre aux monstres là, qui vont me sauter sur la gueule et me lancer dans le sable. Ça je crois que j'en avais parlé déjà. Ce qui est bien avec Zelda Twilight Princess, c'est qu'il y a énormément de bestioles. Donc le bestiaire est énorme et ça... c'est magnifique. Salut toi. Mais il est tout petit, il est mignon. Tiens dans ta gueule connard. On avoue que ça... oh il y en a encore deux. Dégagez. Alors on va prendre ça avec le grappin parce que le sable est mouvant. Sinon je vais m'enfoncer et on va crever. Tu peux me le prendre s'il te plaît? Tu veux pas? Si voilà. Ça va ouvrir la porte. Alors comme toujours on va tout récupérer dans le donjon. Rien à foutre, on est comme ça. À gauche, il y a quoi? C'est de l'huile. Bon. La lanterne devrait tenir encore. Et ici, un petit coffre. On va prendre ça. Et puis, c'est la clé, hein. Oui, bien entendu, puisque la porte est fermée devant. Ok. Oh 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 oh. C'est quoi ça? Mais quoi, des bestioles de merde? Cassez-vous! Dégagez! Cafard de merde! On dirait les trucs comme dans La Momie, là, le film. Les bestioles qui bouffaient. Waouh. Il fait un peu beaucoup sombre, on va mettre ça, voilà, c'est très bien. Bonjour. Bonjour. On va les tuer avant. Voilà, avant d'allumer les flambeaux. Parfait. Hop, celui-là. Et lui là-haut. Ok. Allez vous faire. Je vais vous skipper, rien à foutre. On range ça. Histoire d'économiser l'huile qui nous reste. Ça reste vraiment pas grand-chose. Alors là on a une petite salle qui va rappeler celle d'Ocarina of Time. Pour ceux qui ont joué. Où on a 4 espèces de lanternes qui vont piquer les flammes. Et vont se barrer dans les recoins du donjon. Et on va devoir les retrouver. Exactement pareil que dans Ocarina of Time. Bon nous dans Ocarina of Time on l'avait skippé cette partie là. Grâce à un glitch qui faisait passer la cinématique. Et on pouvait accéder au reste du donjon sans avoir les 4 flammes. Et voilà. Les flammes nous permettent d'ouvrir la porte. Ah toi tu restes? Eh bah écoute, reste, mais je vais te défoncer la gueule. T'as une jolie gueule en plus. Donc je vais défoncer ta jolie belle gueule. Wata. Il faut le taper quand il devient violet, quand il est bleu, on passe à travers. Hop, il est violet, on le frappe. Et donne-moi ton âme. Yeah. Voilà, alors bien sûr ça fait des âmes pour Giovanni. Et de une. Une flamme bleue qui va retourner sur sa petite torche. Ok, et on va sentir son odeur. Oui, l'odeur derrière, il manque une nouvelle odeur. Oui! Et comme ça, on va pouvoir voir où ils sont partis. Oh putain! Par là-haut, par là-haut, par là-haut. Un coffre ici, je vais aller le chercher avant. Dégage! Salut! Rien à foutre. Je te gogue, je prends le coffre. Et je me casse. La carte du donjon. Ok. Bah, tu crois? Tu mérites de crever. Enfoiré, va. Allez, tape-le. Hop. Ah. Il vaut mieux faire ça, voilà. Comme ça c'est plus pratique. Cette porte là pour le moment ne sert à rien. On va aller de l'autre côté. Il y a encore un coffre là-haut. Et c'est parfait, il y a des trucs à grappe. On se fait pas chier. Hop. Et je prends ça. Oh un fragment de cœur, ils sont sérieux. Il a même pas caché le truc. Tellement easy. Donc ça en fait 1 sur 2. Les tampons pareil, il y en a toujours 2. Ça. Creuse. Voilà. Et on va tirer. Ce qui nous ouvre un petit passage en forme d'escalier. Très bien. Mais avant, je vais prendre la porte. Et on descendra après. Ouh. Oh, il y a du rat. Maître Splinter, ta gueule! Rien à foutre! Où sont les tortues ninja? Parle ou je te bute, salaud! Alors, touc 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 touc, une porte fermée à clé. Ici, on peut rien faire. Donc, on va retourner dans la salle principale. On va l'appeler comme ça. Et on descend directement les escaliers. Voilà. Ok. Petite languette, on va pouvoir tourner cet engin. Viens ici, toi. Viens ici. Link. Avec ces vieux coups de grâce de merde là où tu te rates. C'est vraiment dégueulasse. Alors. On pousse. Non, on tire. Wow, wow, ta gueule! Oui, ta gueule! T'es mort. Ça c'est un effroi. Hein. Connu aussi dans Ocarina of Time. Et la petite clé, donc il y avait une porte fermée en haut. Il y avait une porte fermée. Mais aussi, il y a ça à faire. Là. Oh oh! Je crois qu'on a retrouvé un fantôme ici. Je vais mettre mon sens. Non, il n'y en a pas? Si, il y en a un. Ah ouais, l'odeur, elle était vers le haut. Oh! Cassez-vous! Attends, je m'occupe de toi après. Eh bien. Viens, mon salaud. Encore une fois. C'est ya! Et ton âme! Et à moi! Oh, vous avez trouvé une nouvelle âme! Cela vous fait une nouvelle flamme bleue! Dino flamme bleue! Putain, ça sort les références de merde! Ok, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que le ché. Bon, on bouge. Il nous en reste plus que 2 à trouver. Ouais, je vais descendre. Et ça, faut que je le repousse. Parce que sinon, l'autre porte qui était fermée à la clé, elle va être bloquée par le mur. Okay, maintenant, on retourne encore en haut. Et là, 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 là. Mais ça va, ce donjon n'est pas non plus très compliqué. Ça sert tout simplement. C'est on a un chemin, on fait ce chemin et on y arrive. Aïe 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 aïe. Par ici. Je maintiens ma forme loup, histoire d'aller plus vite. On ouvre cette porte. Merci Midona. Je vais en mettre en mode normal. Alors, tout par ici. Waouh, 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 waouh. Ok. Comme ça, ok. Comme ça. Putain, tu crèves! Et je fais des petits sauts exprès pour pas tomber dans le sable. Ça, on va le tirer. Oh, c'est bon. Non, je fais pas des bruits bizarres. Hein. C'est vraiment des références, comme j'ai dit, de merde. Alors, bien sûr, reconnu Pikmin. Bien entendu, hein. Avec les petits Pikmin, là, quand ils prennent les objets, ils font. Et quand il meurt, oui. C'est trop marrant ces bestioles. C'est un bon jeu, un Pikmin en plus. Le 1, excellent. Le 2, plus qu'excellent. Le 3, bof. J'ai fait un let's play dessus. Mais il est vraiment bof. Hein. On l'a fait 100% fruit. Mais voilà. Bon, rien à foutre. Je vous laisse tomber. Il y a un coffre là-haut. La boussole, tu vois, même la minimap et la boussole, on a accès direct. Ça, on saura où sont les coffres. Alors. Oh putain, casse-toi, toi. Non, mais arrête avec. Ne pas appuyer sur A. Je descends dans l'eau parce que tout à l'heure, on cherche pas l'essence. On cherche pas l'odeur, il y en a une là. À gauche. Tu veux pas pousser, ça se pousse pas? Ah, si, ça se pousse, hein, qu'est-ce que tu me fais? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah merde, c'est fermé à clé. Bah, ouais, par là alors. Salut toi. Miam, 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 miam. Ton cou est si délicieux. Ah oui. Oh. Tu pars même plus vite en look en mode normal. Pourquoi pas. Petite clé, comme toujours. On donne des rubis, hein, mais on voit bien que je suis maximum. C'est un rubis rouge. 20 rubis le mob. Généreux, hein. Je sais pas d'où il sort ça, mais... on va refiner un peu le sens, puisque c'est arrivé par là. C'est en hauteur. Ouais, il est en hauteur, le truc. Bonjour. On va vous buter. Voilà. Toi aussi, n'inquiète pas. Ah! Ah l'enculé! Avec sa petite épée de merde! Oh. Voilà. Tu meurs. Allez, dépêchez-vous, on n'a pas ça à foutre non plus. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde. On va faire mode gros bâtard. On va équiper les bombes sur les flèches. On va le foutre dans sa gueule à cet enfoiré. Voilà, deux coups, les morts. Encore un autre. On va faire la même chose. On s'embête pas. Alors, mon sens. Ici, on creuse. Et on tire la manivelle. Toujours un petit rubis rouge. Ah, salut toi. C'est notre troisième. Et ton violet. Et je t'attrape. Encore une fois. Je mange ton bonnet. Et je te prends ça. Hein. Même si t'en fiches, je le prends quand même. Ah oui, ça fait mal. Dino Flamme Bleue, retourne dans la salle principale. Matt. Hop, par ici. J'ai plus de... d'odorat ici. Coffre par contre. Toc toc toc. Wow. Je prends le coffre. Une petite clé. Ça je comprends pas. C'est qu'ils s'amusent à mettre des petites clés, des fois des grosses clés. Des petites clés ou des grosses clés. Des petites clés dans des... Dégagez les rats de merde. Des petites clés dans des gros coffres ou dans des petits coffres. Je sais pas pourquoi ils... Je sais pas comment ils se sont décidés. Quoi faire sur les autres, mais dégage toi. Il est fou lui. Il y a rien du tout. On continue. Ah la salle principale mais vers le haut. C'est l'histoire de mettre un petit coffre pour une petite clé et puis après des fois un gros coffre pour encore une petite clé. Mettez le même coffre quoi. Par ici, hop, petit détour. C'est un kiff qu'ils ont dû se faire. Eh oui, pourquoi pas me mettre dans des petits coffres et puis des fois des gros, hein? Ça sera la surprise comme ça. Monte pas tout de suite. Monte pas tout de suite. Alors on peut pousser. Encore. Et ce petit coffre en fait c'est la porte dans la salle principale où on n'a pas été, sur le côté droit. Ça menait ici en fait. Donc ça chama plus rapide, c'est pour ça que j'y suis pas allé avant. 20 rubis. Alors, touk 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 touk. Ok, faut tirer ça. Allez, là il y a des putains de bestioles. J'espère qu'elle va pas me sauter sur la gueule pendant que je suis en train de tirer. Regarde-moi ça, salope. Ah non, on va pas toucher. Tiens, t'apprends. Ta gueule. C'était pas fait exprès en plus, hein. C'était le. Je sais plus comment ça s'appelait. Oh, un tampon. Hop. On va refaire. Parce que maintenant, de toute façon, on va passer par là. Comment s'appelle le coup? Le coup éclair, voilà. C'est la dernière botte qu'on a apprise. Voilà, tu meurs. Toi. Viens ici. Toi aussi. Et on retire ça. Alors, par contre, s'il aurait pas mis le coup éclair, j'aurais pu aller chercher le coffre. Et retourner au niveau du milieu de ce lustre sans problème. Mais il m'a fait chier, on a perdu du temps sur ça du coup. Toi, j'aurais pu chercher le coffre, revenir en roulade ici puis attendre, parce que ça c'est bon quand même. Voilà. Et on y va. Hop. Ah. Deux coffres. Salut toi. Bonjour. Viens te battre. T'as que la peau sur les os, bâtard. Ta gueule! Oh, il se protège. Et bah, toi, boum! Rien à foutre. Par contre, c'est des monstres, si on les tape à l'épée, ils vont se mettre en tas d'os. Et quand ils sont en tas d'os, après, il faut mettre une bombe pour les tuer. Sinon, ils sont ramassables. Mais un coup de flèche et une bombe dans la gueule! Direct, ça le but. Ils sont si fragiles. Oh, des bombes! J'en ai bien besoin en plus. Là y'a rien. Ça porte d'où je viens. Et là y'a rien non plus. Peut-être une fée dans un pot, mais bon, comme j'ai déjà encore mon flacon avec ma fée, ça va pas me servir. Ah oui, ici. Ah. Alors ce qu'il faut faire ici en fait, c'est allumer deux torches, mais pas se tromper. Donc la solution c'est celui-là et celui tout à droite. Mais attention, on est en mode miroir, donc si on fait en mode normal, c'est celui qui est devant au milieu et tout à gauche. Et si on se trompe, bah il y a des espèces de monstres qui apparaissent, hein, si je m'en souviens bien. Il n'y a pas de coffre ici. On bouge. Ah, ça sent dans l'eau. Ah, là il y a un fantôme quelque part. Il est où? Il est là. Salut. J'aurais pas un petit dentifrice rien que pour moi et mes frères. Oh oh. Oh oh. Attends, je vais faire un truc, voilà. Là pour une fois au moins la caméra elle sert. Et on va attaquer le bon, celui qui se mettra en violet. Lui ah. Pour une fois là je me plains pas de la caméra. Là c'est très très bien, on peut dézoomer à fond. Et comme ça on peut voir celui qui se met en violet. Je sais pas si on pourrait faire l'attaque de Midona. On se concentre. Je sais plus. Et lui. Ok. Et on prend ton âme, le coup de grâce. Bah voilà. On récupère les 4 fantômes. On n'a plus qu'à retourner à la salle principale. Et la porte va se rouvrir. Allez, retourne maison. Y'a rien d'autre. Je viens de par là, moi. Donc, par ici. Hop. Ok. Je vais transformer un mode normal. Un coup de grappin là-haut. Et de retour dans la salle principale, la porte va s'ouvrir. Et on va pouvoir continuer. Eh oui, tout ça, tout ça. Retourne dans ta position. Et la porte vers la destinée s'ouvrira à toi. Ah, les systèmes automatiques, c'est magique. Hop. On y va. Attends. Wow, tant pis. Je vais voir si j'ai pas oublié des coffres. Mais je pense pas, hein, parce que de toute façon on a la boussole. Salut. Tu sais que tu vas mourir. Voilà. Voilà. Et toi aussi. Alors... Oh, la clé du boss, je peux pas y aller. Espèce de truc bizarre ici. De l'autre côté. Est-ce que c'est haut? Oui, c'est très très haut. Donc on va descendre tranquillement. Bonjour. Au revoir. Hop. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Non mais, toi, tu te casses. Tu fais pas chier. Merci. Et ça, je veux le monter. Bonjour. Ok. On va encore le monter. Il y a un coffre là-haut. Aïe 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 aïe. Ok, c'est bon. Ah. Bon, bah, on va faire un petit tour ici. D'accord. C'est quoi ce vieux piège tout moisi? L'énigme était très dure. Petite clé. Et oui, il y avait classe, bien sûr. Alors là, il y a peut-être un truc au-dessus. Hop. Non, c'est juste un pot. D'accord. Et là, c'est juste des pots aussi. Ouais, bon, bah. Écoute, on va descendre. Hop, encore. Et encore. Là, c'est bon. Oui, c'est bon. On fait une petite clé. On ouvre. On va sur le bout. Sur là, j'ai plus besoin de mes sens. On a les fantômes. On... C'est des trucs à big, ça. Attends, on les a tous. Oh, il y a du rat. Ta gueule. Pourquoi les pics qui restent? What the fuck? Ouais, parce que dans mes souvenirs, les pics ça reste pas. Voilà, normalement ça se bat. Et là, avec le sang, ça reste. Et quand j'enlève. D'accord. C'est chou. Je sais plus si ça le faisait sur la version Wii. Mais là, ça le fait. Donc, peut-être un bug du jeu. Ils ont oublié de coder. Par ici. Oui, par ici. Et par ici. Ok. On tire ça. Et tire. Hop. Qu'est-ce que tu me fais, Midona? Ah, d'accord. Ok. Je comprends mieux. Je peux retirer direct. Non, je dois attendre. Ouais, putain, il y a des salopios de rats. Peut-être va falloir que je les bute avant de faire quelque chose. Ouais, voilà. Toi aussi, je vais te buter, mon salaud. Yeah. Ok. Et les rats, ça se casse. Voilà. On va pouvoir pousser, enfin tirer le truc plus facilement. Parce que ces putains de charognards là. Hop. Pourquoi Midona faisait une animation bizarre. J'ai compris après que c'était une espèce de rat qui m'était monté sur la gueule. C'est peut-être pas un bug, hein, ils ont peut-être laissé avec le sens, je sais pas. Enfin, ça reste tout de même bizarre. Wow, ça descend ça aussi. En loup, c'est plus pratique. Pas trop s'enfoncer. Cassez-vous les. Cassez-vous, mon bâtard. Oh, papa. Ah mon poulet, je vais te manger là. Il y a une bestiole qui me caresse le dos et qui est sur le truc du texte. Chelou. Les trucs ils ont mis en premier plan. C'est des puces. Hop. Oh. Normal. Enfin là faut salter de bestiole. Voilà. Par ici. Et là-haut il n'y a rien. Ah, encore vous. Bah, faut crever, hein. Ta gueule. Ta gueule. Ok. Il y en a encore un là. Après, je vais pas rester trop près parce que sinon je vais prendre la bombe dans la gueule. On va le faire. Voilà. C'est pas chier, nous. Et ça ouvre une porte. Oui, il y a une espèce de truc de pique. Toc. Par là. Est-ce qu'il y a moyen de passer en dessous? Oui, il y a moyen. Ça s'embête vraiment pas. Ah tiens, les trucs à grappins. Hop. Vite l'autre avant que je m'enfonce. Et que ces salauds me bouffent le corps. Voilà. Maintenant cassez-vous. Saleté de bébête. Par ici et par ici. Ouh, on arrive au demi-boss. Tu vas goûter de mon épée. J'aurais besoin de ça, par contre. Voilà. Hop. Je sais pas ce qu'il y a eu comme rituel ici. Ça va être bien chelou. Comme le bâton sacré Dragon Quest. C'est allé par de la magie et nous on a décelé cette magie de merde. Ennemi invisible. Donc, Quand les ennemis sont invisibles, et bah, qu'une chose à faire. De temps en temps, on loue. Et on le regarde. Bonjour. Ça va? Wow, wow, wow. Ta gueule! Ta 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 ta! Enfoiré, va. Ouh! T'as la classe! Tu as la classe. On se retrouve en normal. Coup de flèche dans la gueule. On l'attend. Il arrive une petite charge en avant et une attaque circulaire. Voilà. Et voilà. Et on refait la même chose. Hop, coup de flèche dans la gueule. On l'attend. Il est tout con, hein. Hop là. Circulaire et circulaire. Coup de flèche dans la gueule. Et on refait. Vraiment con ce mob. Oh là là là. Du. Hop. Et hop. C'est fini. Aussi simple que ça. Une émane au crâne. Adieu. Être démoniaque. Pourquoi pas. Oh, on a un coffre là-haut. Bon bah ça sera l'équipement du donjon bien entendu. Ça fait plaisir. Aïe. Allez, découvrons ça ensemble. Vous attendez l'aéro à que la barre Crenley, utilisé dans les temps anciens, flotte au-dessus du sol. Montez dessus pour flotter sur le sable ou suivez des rails muraux. Une fois dessus, appuyez sur le bouton assigné pour augmenter la vitesse de rotation et attaquer vos ennemis. Ok, bon, on va l'équiper. Et maintenant, sur ces rails, on va pouvoir hop, rouler dessus tranquillement. On peut s'éjecter. Ça fait prendre de la vitesse d'ailleurs. Je sais pas si on est plus rapide. Je sais pas. Mais on va retourner dans les autres salles. Parce qu'avec ça, on va pouvoir faire plus de choses. Qui dit équipement du donjon dit faudra souvent l'utiliser. Comme par exemple ici. On s'éjecte. Voilà. On a un coffre sur un... Oula, on a plein de coffres. On a tout plein de coffres. Ok, j'en vois deux là-haut. Avec ça, on peut aller sur le sable tranquillement. Voilà. Non, pas de roulade. Tu me prends le coffre? Ouais, tu te téléportes si tu veux pour prendre le coffre. Des hydrobombes. Je pense que je suis presque au max, mais c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Hop. Pourquoi tu fais une roulade à chaque fois? Un rubis rouge. Je m'en fiche. Par là-haut. On va prendre ce rail. Touk 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 touk. On va se laisser aller. Wow 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 wow. Faites pas les fous comme ça avec moi hein. Oh shit. Toi. Et toi. Voilà. Et il y a un coffre. Avec après mon... Mais ils sont même pas cachés les trucs quoi. C'est trop facile à avoir. Ici. Ok stop. On a un coffre ici. Je vais le chercher. De toute façon on a dit qu'on prendrait tout. Ruby jaune. Et pour remonter je suis dans la merde c'est ça hein. Faut que je recommence. Ouais. Bon. Attends. On retourne là. Aérouage. Et on repasse par là. Ok. Parfait. Hop. Allez plus vite. Comme ceci. On va s'éjecter de l'autre côté. Encore une fois. Voilà, ça le fait. Hop. Par là. Très bien. Encore un coffre. Qui est à gauche. Il y a encore du crâne. Crac, 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 crac. Ta gueule. Ta gueule. Un tampon. Bah, je crois qu'on a tout là. Je crois qu'on a les deux fragments de cœur et les tampons. Le premier, je crois que c'était Midona. Ah, donc c'est bon. On va pouvoir bouger d'ici. Ah. Ah, j'étais cet endroit. Hop. Wow, 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 wow. Ok, c'est bon. Je suis le premier coup. Parce que si on n'a pas un bon timing, on prend tout dans la gueule. Ça fait mal. Ça nous refait tomber surtout. Il faut recommencer. La clé du boss. Et je vais voir si j'ai pas raté des coffres. Ça doit pas être loin du boss, du donjon. Alors, la carte. Moins 1, moins 2, tout ça c'est pris, c'est pris, c'est pris, c'est pris. C'est parfait ça. Mais c'est parfait, on n'a rien oublié, c'est magique. On met l'engrenage là-dedans, ça sert à ça ce petit trou. On le plug. On l'insère. Tout ce que tu veux. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et c'est bon. Il y a un passage, ça fera du coup. Ici. Hop. Ok. Alors. Waouh. Ah, fallait au milieu. J'ai tenté un truc d'ici. Wouhou! C'était chaud, mais c'est passé. N'importe quoi. Allez, on tourne, on tourne. Il y a une espèce de rail qui se met. Rail géant. On monte. La caméra qui a du mal à suivre. Ouais, ok, on se calme. Et le boss. On y va, let's go. César, ouvre-toi. Bonjour. Je me présente, Link, enchanté. Y'a personne. Salut toi. Tu veux un coup de main? Non? T'as mal à la tête? Lol. Oh. Enfin j'irai plus, t'as mal au crâne. Salut Xanto. Encore en vie, ce titre d'héros aurait donc quelques fondements. Que cela est regrettable, très regrettable en effet. Surtout quand je songe que c'est l'ultime fois que nos chemins se croisent. T'as des mains sympathiques hein. Oh. Elle est classe son épée. Réveille-toi, ô monstre des ténèbres. Ouais, t'es obligé de me montrer ton cul quand tu téléportes. C'est un truc de ouf hein, dans un autre princesse. Ils aiment bien montrer leur cul. Oh, 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 oh. Là, on a du grand mob à affronter. De la 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 la. Est-ce que vous aurez vu les côtes? On dirait que c'est à des housses quand même. Umbaba, antique terreur ressuscité. T'es ressuscité? Bah nous on va trop crever. Salopard! On se sert des rails. On va attendre, on va tourner, on va tourner, on va tourner. Et on y va, va falloir taper ses côtes. Sans rebondir sur ces gros connards de guerriers. Voilà. Et boum! Allez, je t'ai fait les deux côtes. Enfin, c'est pas les côtes, je sais plus comment c'est. Le... Ouais, j'ai plus le nom. Un à foutre, on s'en fiche. De toute façon, on lui détruit la gueule. Waouh, pique là. Ah oh, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Ok, bon, bah si tu veux, on va retourner là-haut. Ah, c'est le moment casse-couille. C'est le moment casse-couille. Ouais, t'attaquer. Allez vers l'arrière. T'es sérieux? J'ai sauté. Non mais les guerriers, arrêtez. Faites pas chier, laissez-moi passer. Oui, oui, yata. Encore une fois. Wow, il y a plus de piques. Pas chier les gars. Ta gueule. Wow, 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 wow. Non, non, non. Mais hey, tu peux pas le prévoir ça. Oh shit. Toi, aide-moi à rebondir. Yeah. Oui. Ouh. Salope. Tu retournes sur l'oreille, hop, tu te prends un pic dans la gueule, mais tu peux pas le voir. Donc t'arrives. Voilà, retourne aux enfers. Laisse-moi tranquille. Faut que ce soit dans le sable si tu veux. Ouais, et où est mon réceptacle de cœur? Hein? Tu veux pas me le dire? Non? Tu veux que je te coupe un peu la barbe? Non plus? Je pourrais dire rien. J'ai pas eu mon réceptacle. Donc c'est pas fini. C'est pas une surprise. Surtout que son crâne il est encore là. La porte de sortie, mais il est encore vivace. Je t'ai dit que tu vas aller en enfer. On va s'occuper de ta tête. Aïe. Aïe. Salaud. Hop, on monte sur le rail. Donc lui il y a aussi moyen de faire en un cycle. Si les attaques circulaires veulent bien, parce que les attaques circulaires on les connaît. Cette version Wii U, elles sont casse-couilles à faire. Cracher des flammes, on sonne de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Hop. Tiens, bâtard. Ya. Ok, ok, ok. Oh, oh, on a réussi le cycle. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est tellement bon. Moi, ça fait plaisir parce que ça vous montre des choses. C'est ça que j'aime bien. Mes let's play sont principalement faits pour montrer des choses. Montrer le jeu, bien sûr, l'histoire. Montrer des techniques. C'est ça qui est bon. Voilà mon réceptacle. Je vais le prendre. Et encore j'ai eu peur parce que une fois il a tapé normalement. Ça m'a fait flipper par contre. Allez Gitan, on y va, le miroir des hommes est tout proche. Ah oui, toi c'est pour ton miroir. Vous avez un réceptacle de 49 vital. Oh oh oh. 11 cœurs. Il doit y en avoir 20. Très très bien. Non, je ne vais pas sauvegarder tout de suite. Ouais, logiquement, on serait quitté ici, mais on va faire un petit truc avant encore. Parce que si je sauvegarde ici et que je quitte, moi je crois qu'il va falloir que je me retape tout le donjon pour revenir ici après. Donc un petit truc avant. Wow. Ça c'est des chaînes ça hein. La chambre du miroir. Bien. Voilà. On va invoquer les petits gremlins. Les villageois du crépuscule. Qui ont été transformés par Xanto. Ce bâtard. 3, 4... Wow putain 5. Are you fucking serious? Toi on va te laisser. Je vais m'occuper de ceux qui sont au fond. Voilà. Toi. J'en ai eu 2, ok. Et vous crevez. L'autre j'ai fait une petite charge avant, il a réussi à prendre derrière. J'imagine bien la hitbox. Voilà. Et là je vais m'arrêter parce que prochain épisode il y a une cinématique qui va se lancer. Après on verra ce qu'on fait. Oh il y a des chauves-souris. Je savais même pas qu'il y avait des chauves-souris ici. Voilà, du coup dans le prochain épisode il y aura une cinématique. Là ça va être trop long pour que je lance maintenant. Donc j'espère que tu auras apprécié cet épisode. Et je suis content puisqu'on a fait le boss là, le crâne en un cycle. C'était super beau, voilà, c'était magnifique. Du coup j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te donne rendez-vous pour l'épisode 16 de The Legend of Zelda Twilight Princess HD. On découvrira la cinématique ensemble. Sur ce, porte-toi bien et à la prochaine. Salut la cinématique à Baronxé.